honore ton père et ta mère. On n'utilise pas le mot enfant là pour bréfos. On ne demande pas à un enfant d'honorer son père et sa mère, n'est-ce pas? On ne demande pas à un épios d'honorer son père et sa mère parce qu'ils sont à un certain âge de la croissance. Mais à ceux qui sont adolescents, qui ont maintenant l'âge de la raison, ils sont lucides, ils font des choix, ils se découvrent, ils ont une volonté propre, à eux maintenant, on les exige maintenant de faire quoi d'eux? D'honorer les pères et les mères. Verset 2, on dit aussi, parents, n'irritez pas vos enfants. Enfant là, ce n'est pas bréfos. Enfant ici, ce n'est pas népios. Mais enfant ici, c'est technon. Que ce soit en science, en anthropologie ou en sociologie, même en biologie, quand on parle d'un enfant qui naît, quand on parle de la vie de l'être humain sur la terre, on le place en 6 étapes ou en 6 phases. Premièrement, il y a la phase de la naissance. Dis avec moi la naissance. Donc, lorsque l'être humain est dans le ventre de sa mère, 9 mois au maximum, ou plus ou moins, certains débordent, et l'enfant naît. On appelle cela la naissance. Quelqu'un peut dire avec moi la naissance. Deuxièmement, il y a l'étape qu'on appelle l'enfance. Dis avec moi l'enfance. Troisièmement, il y a l'étape qu'on appelle l'adolescence. Quelqu'un peut dire l'adolescence. Quatrièmement, pour avancer, il y a l'étape qu'on appelle maintenant l'âge adulte. Où après l'adolescence, l'enfant devient adulte. Et l'avant-dernière étape, c'est la vieillesse. Et la dernière étape, la sixième, c'est celle qu'on appelle la mort. Amen. Amen. Alors, lorsqu'on parle de la croissance en grec, vous le savez avec moi, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Alors, beaucoup de gens se posent la question. Prophète, des fois, tu as beaucoup de termes en hébreu. Amen, amen. Tu as beaucoup de termes en hébreu, vous qui êtes devant. Tu as beaucoup de termes en hébreu. Tu as beaucoup de termes en grec. Pourquoi utiliser le grec et l'hébreu, n'oubliez pas? Pour comprendre un mot de manière originale et originelle, il faut le comprendre d'abord dans la langue à laquelle qu'on a utilisé pour l'écrire. On peut par exemple dire un mot en français d'une phrase qui est sortie en lingala. Le français, des fois, il peut diluer le sens de ce qu'on a dit en lingala. Parce qu'en lingala, ce qu'on a voulu expliquer là, c'était beaucoup plus profond que ça. Amen, amen. On parle de fondation, mais quand on parle de Moboko. Donc, quand on parle de Moboko, tu as l'impression que ce n'est pas seulement ce qu'on met avant, mais c'est comme ce qui est encore profond. Quelqu'un me comprend? Alors, quand on lit seulement la Bible dans une version en français, ou en anglais, ou en lingala même, on ne comprend pas en profondeur. Voilà pourquoi nous allons dans la langue qu'on a utilisée pour écrire cela. Et Dieu savait par le Saint-Esprit pourquoi on devait écrire le Nouveau Testament à l'époque où c'était en grec. Parce qu'il y a des mots précis en grec qui peuvent mieux expliquer ce qui concerne un sujet. Et en grec, quand on parle de l'évolution, la croissance d'un être humain, de l'enfance jusqu'à un certain niveau, surtout sur le plan spirituel, il y a des termes qu'on utilise comme, je vais vous aider, avancer, fausse. Dis avec moi, bréfausse. Écris sur ton carnet, comme ça tu vas l'intimider ton mari à la maison qui allait jouer au tennis. Il va se dire, en tout cas ma femme, je ne savais pas qu'à part le Kintandu, tu sais parler grec. Bréfos. Quelqu'un peut dire avec moi bréfos. Alors bréfos, c'est un terme grec qui parle de l'enfant. Tous ces termes parlent d'un enfant, mais parlent d'un enfant à un certain niveau de sa croissance. Ici, c'est le terme bréfos. Bréfos veut dire bébé. Vous allez voir dans 1 Pierre 2, verset 2, on dit désirer comme des enfants. Comme des enfants nés, le lait de la parole qui peut vous faire grandir jusqu'au salut. Je paraphrase, hein? On est dans 1 Pierre 2, verset 2. Là, on parle de bréfos. On parle de désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait de la parole. Quand on parle d'enfant nouveau-né, c'est le mot bréfos qui parle d'un enfant qui vient de naître. En Christ, ça veut dire quelqu'un vient de recevoir Jésus maintenant là. C'est un qui? C'est un? Encore, c'est un? Dis avec moi les bébés spirituels. Ceux qui viennent de naître sont des bréfos.
et c'est eux-là qui boivent le lait. On dit qu'ils puissent désirer avec ardeur le lait parce que l'organisme de l'enfant a besoin notamment de lait. Voilà pourquoi Dieu, en permettant à l'enfant de grandir, de croître dans le ventre d'une femme d'une part, il a aussi permis au sein d'une femme de croître par le lait qui se forme. Parce que autant que Dieu prépare la venue au monde d'un enfant, il prépare aussi sa nourriture dans le corps de celle qu'il a portée. À manger, ce sera compliqué. Les os du poulet à broyer, ce sera impossible parce que son organisme n'a pas produit, il n'est pas constitué des éléments comme avec les dents pour pouvoir manger la nourriture solide. C'est un vrai fausse. Et c'est le niveau de sa croissance. Il est né, c'est un vrai fausse. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle un népios. Dis avec moi népios. Dis encore népios. Dis encore népios. Népios veut dire aussi enfant. Népios veut dire aussi enfant. C'est le verset qu'on voit par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'apôtre Paul dit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque j'ai grandi, j'ai oublié tout ce qui était de l'enfance. Alors le mot enfant là, ou enfance, a référence avec népios. On est de nouveau, on est un vrai fausse. On avance un peu de la croissance, on devient ce qu'on appelle un népios, c'est-à-dire on est en train maintenant de grandir. On est un enfant, mais on pense comme un enfant, on raisonne comme un enfant, on réfléchit comme un enfant, on agit comme un enfant. C'est normal parce que c'est l'étape dans laquelle nous nous retrouvons. Après l'étape de népios, il y a l'étape de technon, c'est ce qu'on appelle adolescent. C'est là où on parle dans Éphésiens 6, versets 1 et 2, on dit « enfant ». On parle de quoi? De faire quoi d'eau? Honore ton père et ta mère. On n'utilise pas le mot enfant là pour bréfos. On ne demande pas à un enfant d'honorer son père et sa mère, n'est-ce pas? On ne demande pas à un népios d'honorer son père et sa mère parce qu'ils sont à un certain âge de la croissance. Mais à ceux qui sont adolescents, qui ont maintenant l'âge de la raison, ils sont lucides, ils font des choix, ils se découvrent, ils ont une volonté propre, à eux maintenant, on les exige maintenant de faire quoi d'eux? D'honorer les pères et les mères. Verset 2, on dit aussi: parents, n'irritez pas vos enfants. Enfant là, ce n'est pas bréfos. Enfant ici, ce n'est pas népios. Mais enfant ici, c'est technon. Parce qu'ici, tu peux mater un enfant. Ici encore, tu peux le mater. Mais ici là, il est adolescent. Il va à l'école. Il se découvre dans les yeux de ses amis. Il a des amis. Il s'affirme. C'est un homme, sa voix commence à changer. Il parlait comme un efféminé, maintenant il a une grosse voix. Il a la pomme d'Adam, le Kingo Dingodi, le ventilateur de foufou. Qui a compris? Ça commence à pousser. Elle est une femme, elle a des formes. Elle voit ses menstruations. C'est un homme, il commence à grandir. Il va à l'école, il voit des petites minettes, des petites chupinettes. Maintenant, c'est un technon. Jésus dit dans Matthieu 11, à quoi ressemble, à comparer cette génération? C'est comme génération des enfants au bord du chemin. On a joué des complaintes, ils ne pleurent pas. On a lancé des cantiques pour danser, ils ne dansent pas. On ne sait pas ce qu'il veut. Cet âge-là, c'est l'âge où l'enfant croit qu'il connaît tout. Il y a des enfants spirituels comme ça, pasteur Paul, à l'église. Il faut les comprendre, ce sont les technons. C'est maintenant la maman parle, toi si tu parles. Papa parle, toi si tu parles. Et c'est à l'âge qu'on a quand on est adolescent, on croit qu'on connaît tout. On croit que nos mamans sont vieilles. Elles sont de la vieille école. Nos papas sont de l'ancienne école. Ils ne me comprennent pas. Elle ne me comprend pas. Elle ne veut pas comprendre ce que je sens. C'est là où les parents et les enfants, ça commence à clasher. Même dans l'église, c'est ça. Quand un enfant que vous avez emmené au salut devient maintenant un technon, c'est là où il croit qu'il connaît tout plus que son père spirituel. Quand il connaît une révélation, il a l'impression qu'il connaît plus.